Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon ouais, je vous ai pas fait chaîne avec mon café parce que je suis pas au café, je suis au coca. Il est 10h55, je suis rentrée il y a pas très très longtemps. Jojo est toujours dans le canapé, il est toujours moins malade, mais toujours un peu malade, donc je reste encore à travailler au bureau, à l'ordinateur, juste à côté comme ça. Je travaille, mais vous voyez, je suis vraiment juste à côté au cas où il y a quelque chose qu'il ait besoin de maman. Bon, vu les nouveaux symptômes, c'est une bonne petite gastro qui me fait. Hein. Du coup, vous vous doutez bien que j'ai pas aimé à l'école. Il était tellement déclaqué hier et puis cette nuit, il a pas arrêté de surveiller. Il a dormi avec moi et il s'est réveillé je ne sais combien de fois. Ça m'a réveillée. Enfin bref, j'ai passé une très très mauvaise nuit également. Et puis je ne mettrai pas à l'école demain non plus, qui, même s'il va mieux, qui se repose encore un petit peu. Et puis je vous avouerai que le mettre à l'école pour une journée, alors que lundi il n'y a pas école non plus, voilà. Donc, hop là, ça gigote. Donc voilà, il est fatigué, il est vraiment pas très très bien. Bon, je vais bien voir si je vois qu'il stagne comme ça, qu'il est juste fatigué, qu'il vomit presque plus. J'irai quand même marcher cet après-midi parce qu'il fait beau aujourd'hui, normalement. Il n'y a pas beaucoup de nuages, le soleil a l'air de vouloir sortir, donc ouais, j'irai peut-être un petit peu marcher vu que je suis pas au sport aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport. Ma mère, comme vous le savez, m'a dit « Oh, sport !» Je dis « Non, je suis hier !» Du coup, donc ça, et je précise que lui sortait de sa séance. Du coup, je vais faire quoi aujourd'hui? Programmer des posts Instagram. Ouais, ça me... J'ai l'impression que... Je vous rassure, je n'ai pas de poux. C'est juste que j'ai fait ma... Vous voyez? J'ai fait mon soin recolorant et du coup, voilà. Ouais, c'est pareil, les cheveux, ils sont... J'ai enlevé mes tresses ce matin et du coup, je suis très... Voilà. Bref, on s'en fout. Pourquoi je suis en silencieux sur l'ordinateur? Je ne veux pas mon statut. Ne pas déranger, voilà. Du coup, pourquoi je suis rentrée un peu plus tard que d'habitude? Bah, tout simplement parce que je suis passée chez l'opticien il y a un mois. Je suis allée chez... c'est l'opticien express. Voilà, on a des rendez-vous. Je vous ai expliqué que j'avais eu un rendez-vous. J'ai trouvé le matin un rendez-vous à 6h et que j'étais à 11h30. Et leur système, c'est qu'au bout de 10 à 15 jours, tu reçois ton ordonnance par mail. Sauf que ça faisait un mois et je n'avais toujours pas d'ordonnance. Donc hier, je leur ai envoyé un mail dans l'après-midi. Ils m'ont envoyé mon ordonnance. Oui, il fallait que je leur rappelle à l'ordre, comme dire l'autre. Non, il fallait que je... Ma copine, ça fait la même chose. Hein, donc Lana, la rendez-vous, je pense qu'il faudrait que je fasse pareil. Et du coup, donc, je suis allée chez l'Oftal... Non, c'était chez l'Ophtalmo Express que je suis allée. Et ce matin, je suis allée chez l'opticien. Je confonds toujours les deux. Pour commander mes News Minute. Alors, je vais vous montrer... hop, j'ai ma copine qui m'a envoyé un message. Ma photo, hop là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, des toutes simples. J'ai vraiment envie de changer de style. Donc voilà, ça y est, c'est fait, c'est commandé. Et normalement, je les aurai d'ici le 29. Donc voilà, on verra bien. Et puis du coup, bah, après, je suis rentrée, je suis passée chercher du coca parce que je voulais du coca. J'ai pris Madame Loïc parce que bah, hier j'avais acheté à Monoprix des chips, des paysannes comme j'aime bien. Un acheté notamment à 50%, donc j'en ai pris deux, mais j'ai oublié de Madame Loïc. Du coup, voilà, là j'ai un bouton qui est en train de me pouiller. Quoi d'autre? Bah rien. Bon ouais, écoutez, pas grand chose. Là, je vais voir pour vous tourner la vidéo sur les papiers digitaux. J'ai une autre truc à vous faire. J'étais en train de regarder justement, là, je suis en train de vider. J'ai vidé mon vlog d'hier, donc je vais faire du montage aussi aujourd'hui. J'étais censée aller au coworking. Du coup, pas de coworking. La musique d'aujourd'hui, elle a été publiée également. Publiée demain. La musique, ok, le tuto neuf, ok, et j'ai une citation à vous poster, donc je vais programmer tout ça. Hier, c'est ce que j'ai fait beaucoup de montages, vous savez, c'est des montages que je mets directement sur Insta. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de citations, je suis allée sur un site, je sais plus c'était quoi le site, historique. Sur site d'amour, je suis allée sur pensée positive aussi également. Bref, histoire de trouver des petites citations à mettre.
J'ai fait aussi pour les futurs albums photos passés que je voudrais vous reposter. Il me reste à faire des astuces aussi également et des photos de moi. Ou de pas moi, mais des photos aussi également à vous poster. Donc voilà. Donc ça c'est fait, donc j'ai pu programmer tout ça, je vais faire du montage. J'ai 2-3 trucs à remettre en boutique, il faut que je fasse les photos aussi également. Et oui, du coup, je voulais voir, je vous disais donc, j'avais des vidéos que je voulais tourner. Comment j'ai redimensionné mes die cuts pour pouvoir mettre en 3D. Jocelyne. J'ai bien reçu. Ok. J'en ai une autre, c'est quoi celle-ci? Comment? Ah oui, une vidéo qu'on m'a réclamée aussi, donc je vais vous la faire. J'ai une autre vidéo. J'ai plusieurs vidéos que je voudrais vous faire. Vidéo de Notion aussi. Ouais. C'est ça. Et Sir Vagabond, du coup, les vidéos commenceront à partir du 3. Et il faut que je prépare mon live de lundi parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme eux. Papier. Voilà. Bref, du coup, c'est parti. Let's go. Let's go, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde. Bon, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Il est quasiment midi. Je vais me faire une petite pause chips, Madame Loïc. Jojo d'heure. Je vous le montrerai pas parce que là, il s'est enlevé de la couette et il est en caleçon. Snow d'heure aussi parce qu'il vient de se faire disputer. J'ai dit dégage de ta cage. Bon, il va rentrer à la cage, il partit dans le lit. Hein, mais j'essaie de vous mettre un extrait juste là. Je vous ai tourné deux vidéos face caméra. Je profite, ouais, Jojo est juste là à côté. Au moins, je l'ai sous les yeux s'il y a quoi que ce soit, même s'il va beaucoup mieux qu'hier. C'est ce que je fais depuis hier en fait. Je bosse vraiment à côté de lui au cas où il y a quoi que ce soit. Il y a même son seau. Ma maison elle ressemble plus à rien. C'est Bagdad, je vous jure, c'est Bagdad. Je déprime. Et Lola fait ça dans mon sac à main comme oreiller. Et donc, du coup, je vous ai fait ça sauf. Qui m'a foutu le bordel pendant ma vidéo. J'étais obligée de la refaire d'abord. Il arrêtait pas, il blaboyait, il pleurait, il couinait, tout ce que vous voulez bien. Je vais vous mettre un petit extrait ici, vous allez voir. J'en ai eu marre, j'ai dit Snow, tais-toi, va à ta place. Et du coup, il est parti se coucher avec Snow, avec Jonah. C'est Snow qui est parti se coucher avec Jonah et non Jonah qui est parti se coucher avec Snow. Voilà. Bref, du coup, je suis contente que j'ai bien avancé. Ça fait deux montages de plus à faire. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai 7, 8, 9, plus le vlog, 10. Ouais. Et demain, il faut à tout prix que je termine mon album photo avec ma guinonne. Donc voilà. Et je m'appellerai bien aller marcher tantôt, je vous jure. Parce que regardez, c'est le matin. Le soleil n'est pas vers chez moi, mais il est de l'autre côté dans la cuisine. Mais vous voyez, le ciel bleu. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Hop. Le ciel est bien, bien bleu. Donc, j'ai envie d'aller me promener. Oui, oui, oui. Bref, ça fait du bien la marche. T'en pensez quoi? Ouais, ouais, vous faites la tour de piste. Ouais, ouais, je trouve aussi. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vais mettre mon vlog à s'optimiser pendant que je vais manger mes chips et mon Madame Loïc. Et moi, je vais vous reprendre un petit peu plus tard. D'accord? Je ferai le point avec vous. J'en suis dans mes montages. Recoucou, me revoici. Voilà, c'est ça, me revoilou. Que dire? J'odeur. Encore. Il s'est réveillé. Il s'est rendormi. Écoutez, je me pose des questions sur Miss Lolaf, qui est là en train de faire sa toilette. Ça fait deux fois que je lui retire des glaires. Dans sa partie intime, un rouge, entre rouge et vert, et là je viens de voir que l'apparition de glaire au niveau de la vulve, ça voudrait dire que d'ici 12 à 24 heures elle pourrait mettre bas. Bon, c'est pas ce que j'avais compté, mais après à savoir exactement quand est-ce qu'elle avait été prise, je ne sais plus. Je sais que c'était au moment du rendez-vous de chez le veto à Snow, c'était avant, donc ça devrait pas tarder. Alors là, j'ai pris une vieille couette dedans pour essayer de lui mettre à côté de moi, mais non, elle préfère se mettre sur la table. Voilà, elle est là. Elle est là, elle fait sa toilette. Donc, est-ce que elle va mettre bas? Je ne sais pas. Vous allez vous casser la binette. Hop là.
Je n'en sais rien, écoutez, ça va être la surprise. J'ai déjà passé une mauvaise nuit, il manquerait plus. Oups, c'est mieux. Il manquerait plus qu'elle accouche cette nuit et du coup, encore une fois, je ne vais pas dormir. Donc, bah, je fais attention. Elle est dans une position un peu bizarre là. Je fais attention. Elle respire assez vite. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait de contraction. Donc je sais pas. Quoi mon chien? Qu'est-ce que tu veux? Sortir? La pisse? Oui, c'est ça qui veut. Bon, moi je vais l'emmener à la pisse et puis on va voir ce que ça donne pour l'Olaf. Si j'arrive à vous filmer, je vous filmerai. Mais c'est très très long à filmer. C'est... Voilà. J'espère qu'il va l'avoir que. Donc voilà. Bref. Oui, j'arrive. On y va. Let's go. J'ai monté le vlog. Il est programmé pour ce soir. Vous aurez deux vlogs de soir de suite. Et je vais attaquer la suite. Il est 14h47. J'ai pas beaucoup bossé. Hey, bienvenue dans la suite de ce vlog, bien sûr. Bon, comment allez-vous depuis hier? Bien. Bon, tant mieux. Moi aussi, ça va. Franchement, ça va. Fatiguée. Pas se le cacher. Il est 5h35. Ma salle a retrouvé un semblant de salle. Elle ressemble un peu plus à une salle. Oui. Jojo est partie dormir dans son lit. Oui, oui, il va mieux. Merci d'ailleurs pour tous vos messages sur les réseaux ou sur le vlog d'hier. Il va beaucoup mieux. C'est une bonne gastro. Tu vas pas t'allumer, ok. Une bonne vieille gastro, donc vous voulez que je vous dise. Alors, non, je ne l'ai pas emmené au médecin parce que tout simplement, mon médecin est parti à la retraite depuis le mois de décembre, fin décembre, que je n'ai pas trouvé de remplaçant et que de toute façon, je pense que c'est OAF, c'est un peu comme partout. Pour avoir un rendez-vous avec un médecin, il faut s'y prendre 15 jours à l'avance. Donc, comment vous dire que dans 15 jours, il n'y aura plus rien. Je l'ai traité avec ce qu'il fallait, les bons vieux remèdes de grand-mère et un peu de cachet pour anti-vomitif. D'ailleurs, il n'a pas vomi depuis un matin. Voilà, donc impeccable. Et sa diarrhée, ça a l'air d'être passé à peu près. Je ne sais pas comment a été sa nuit, puisque monsieur est parti, il a dormi dans son lit, comme je vous ai dit. Du coup, je l'ai entendu venir une fois chercher la rallonge. Venir chercher la rallonge, mais... pas plus, ce qui m'a fait un peu du bien. Un peu du bien. L'Olaf n'a pas mis bas. Voilà. Pas encore. À mon bébé chat. L'Olaf. D. Hier soir et... Enfin, hier après-midi... Hier soir après mon bain et cette nuit j'ai dormi avec un... Vous savez, je l'avais acheté chez New Yorker, un vieux t-shirt type maillot de baseball. Voilà. Il est taché, que je n'arrive pas à voir, mais je le garde parce que je l'aime bien. Je ne vais plus le garder très très longtemps. J'ai écouté les conseils de Corinne et je l'ai porté pour qu'il y ait mon odeur dessus. Je vais le porter encore aujourd'hui parce qu'elle a pas l'air de... Non, je me suis peut-être fait des films en pensant qu'elle allait mettre bas là bientôt pour pouvoir qu'elle ait son odeur. Parce que bah, je lui ai préparé une petite caisse juste là, voilà, pour qu'elle soit près de moi puisque bah, ça fait 2 jours que je passe à travailler comme je peux à table ici pour être à côté de Jojo au cas où. Vous avez bien vu dans le dernier vlog, hein, j'ai été très réactive quand il a remis. J'ai vraiment hésité à couper ce morceau. Et je me suis dit, mais Marie, c'est la vraie vie. Les personnes qui te regardent, parce que vous êtes forcément des femmes, hein, pour ma part, j'ai pas d'hommes qui se montrent. Je sais que certains hommes regardent avec leurs femmes, ou voilà. Donc pour moi, on est une communauté de femmes. Désolée s'il y a vraiment que des hommes seuls ou des hommes sans leurs femmes qui regardent. Hein, dites-moi si c'est le cas pour vous. Mais voilà, pour moi, nous sommes entre femmes. Enfin, voilà, vous connaissez le système, vous avez des enfants. C'est la vraie vie. C'est la vie d'une maman avec un enfant malade qui va travailler de chez elle, mais en ayant quand même un œil à côté de son fils au cas où
Bah, ce qui est arrivé devait arriver. Voilà. Du coup, ma maison commence à ressembler à... Voilà, c'est... Il part chez son père aujourd'hui, normalement. J'ai... Alors, hâte étant un grand mot. Il va mieux, donc déjà, il va pouvoir partir soulagé pour... moi, ça va aller. Je serai plus soulagée. Et... J'ai mangé un raisin sec et... Crochet dans ma... Dans mon appareil. Et du coup, je vous disais, oui, normalement, il est temps chez papa ce soir. Donc moi, demain matin, je pourrais faire ma maison à fond. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais profiter qu'il va mieux et avec ma bilhomme, on va filmer. Je vais d'abord au Spur. Vous avez vu la tenue, hein. Je vais d'abord au Spur et après, je rentre, on filme. Avec la nonne, on a rendez-vous à 15h pour la conciliation. Je vous en ai parlé. Je vous en reparlerai peut-être plus en détail plus tard. Je verrai avec Anna parce que ça concerne Anna, donc voilà. Et mais une fois que tout sera terminé. Donc ça et oui, donc j'ai rendez-vous conciliateur avec Anna. C'est juste derrière en plus, c'est la maison de justice. Donc voilà. Et le but étant d'essayer de finir mes 3 vidéos qui me restent. Hier, je sais plus comment, quand est-ce que je vous ai repris. Je vous ai filmé une vidéo pour vous expliquer, surtout pour les débutantes, en fait, c'est, je l'ai marqué débutante parce que c'est pour les débutantes, celles qui ont l'habitude de silhouette, de papier digitaux sauront le faire, ou voilà, je vous ai expliqué, il me semble, dans le tuto, c'est très simple, hein, je vous ai fait une vidéo quand même pour vous expliquer, mais, comment dire, je... Voilà, c'est ça. Voilà, je vous ai fait une vidéo, je l'ai montée, j'ai mis sur YouTube et je l'ai appelée. Comment je l'ai appelée cette fameuse vidéo? Je m'en bouche encore. Elle est où? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, je l'ai mis là. Astuce débutant, comment adapter les die cuts digitaux au papier pour un effet 3D. Ouais, c'est un long titre, mais tout est dit dans le titre, voilà. Donc celle-ci, elle est montée sur YouTube et tout. J'ai même utilisé la petite dame pour faire ma miniature. Il me reste une vidéo aussi à vous faire qui m'a été demandée. Pareil, c'est une... Enfin, je l'ai faite, il ne me reste plus qu'à la monter. C'est pareil, c'est une vidéo pour débutantes. Qui m'a été demandé, c'est pour mater justement les die cuts. Donc voilà, donc ça je l'ai tourné aussi également. Ouais, j'avais 2 vidéos à tourner face caméra, du coup, bah, je les ai tournées. Vous avez ce fond là, du coup, là, comme ça, pendant que Jojo dormait. Je parlais, ça me réveillait même pas en plus, parce qu'il a fait que ça encore hier, dormir, réveiller, dormir, réveiller. Cette gastro l'a effusé, c'est bien pour ça qu'il ne va pas encore à l'école aujourd'hui, même s'il va mieux. Même si je pense qu'il aurait pu y aller. Je vais pas vous le cacher, il aurait peut-être. Puis aller. Maintenant, il a passé 2 jours à dormir toute la journée et tout. Je préfère s'il va là-bas pour comater parce qu'il est fatigué, ça sert à rien non plus. Sachant que bah, demain, il n'y a pas école. Dimanche, il n'y a pas école. Lundi, il n'y a pas école. Je le garde à la maison et puis c'est tout. J'avais prévenu mon ex-mari et puis voilà. Donc, aujourd'hui, programme du jour, faire les 3 petites choses. Je vous ai pas dit, en plus, j'ai complètement zappé. Il y a un code promo sur ma boutique. Enfin, il y a pas, c'est pas un code, c'est des promos tout court. Pour la fête des mères, j'ai mis jusqu'à la fin de semaine prochaine, jusqu'à dimanche, je crois, de mémoire, un code promo. C'est ça, c'est quand la fête des mères. C'est dimanche prochain, donc jusqu'à dimanche prochain, il y a moins 25% sur pas mal de petites choses. Pas sur tout, mais sur les die cuts, sur les albums photos, sur les trucs spéciales fêtes des mères. Donc voilà, j'ai d'autres trucs à mettre en boutique. Il faut que je prenne les photos aujourd'hui, que je les mette en ligne et que je me bouge mon popotin. La semaine prochaine, il faut que j'arrive à me trouver un moment pour aller au coworking, pour vraiment me mettre à fond dedans. Et alors pas lundi, puisque lundi, c'est live. Alors attendez, parce que... Lundi 20 mai, hein. Déjà je ne travaille pas. Je peux supprimer ici. Du coup, je ne vais pas au Spur, j'irai au Spur mardi. Enregistrer l'événement. Hop là. Donc là, je suis sur mon agenda. Alors, j'utilise Notion Calendar. Ce qui est un peu
Alors, ça va parce que du coup, Notion est dessus, Google Agenda est dessus. Je crois qu'on peut mettre d'autres aussi agendas dessus. Le seul hic qu'il y a sur Notion Calendar, c'est que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très très bien. Mais il est que sur PC. Enfin, moi là, je suis via Google. Et sur. Marie qui est 44. Et sur. Comment ça s'appelle ? Apple. Il n'est pas encore sur. Sur les téléphones basiques. Ce qui est dommage. Du coup, à 6h, vous avez le tuto de l'album. Ok. Donc, c'est le lundi de Pentecôte. À 10h, vous avez une citation qui est déjà programmée. Oui, oui, oui. J'ai programmé quand même quelques petits trucs depuis le temps. Franchement, Marie, il faut que tu arrives à t'y tenir plus que ça à programmer tes posts Instagram. Et du coup, je me suis prévu une sieste. Mais Marie, tu travailles pas, donc tu n'as pas besoin de sieste. En fait, mes siestes sont prévues tous les jours du lundi au vendredi. Automatiquement. Et j'ai pas encore mis le nez dans ma semaine prochaine pour voir. Et live YouTube, donc du coup, de 14 à 16 heures. Je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Si jamais vous avez ce vlog avant, n'hésitez pas à me le dire. Je vais peut-être poster un truc sur Insta, à voir. Mardi, travail, sport, sieste, du coup. Oui, j'ai mis la sieste. Même si je ne la fais quasiment pas, mais je l'ai programmée. Mais il faut vraiment que j'arrive à m'y tenir. Mercredi, c'est un peu plus peur pour la journée, puisqu'il y a Scotty, le travail, Spur, rendez-vous chez la sage-femme, et j'ai un autre rendez-vous à 15h. Ouais, c'est pareil, la sieste, on oublie. Mais voilà. Jeudi. Pourquoi toi, tu n'es pas mis à 6h? Ok. Là, c'est bon. Le boulot, un post d'album photo et rien de prévu. J'irai peut-être du coup mardi. Je vais avec ma collègue, avec ma copine. Ah non, mardi, j'ai dit que j'allais au Spur. Mardi, j'ai dit que j'allais au Spur. Donc, si je vais au Spur, je vais pas au coworking. Donc, ça ferait jeudi. Ok. Jeudi, je me ferai une journée coworking. Ouais, vous voyez comment j'étudie mon. Hop là. Coworking. Voilà. Je verrai si les filles, elles sont partantes ou pas. Et vendredi, du coup, il y a Spur. Et Lana a rendez-vous à 17h chez Loftamo, qu'il faudra pas que j'oublie après d'envoyer un mail pour avoir l'ordonnance, puisqu'ils ont tendance à l'oublier. Et samedi, je bosse, dimanche, fête des mères. Voilà. Et j'avais mis un post Instagram pour une astuce. Et en fait, je vais pas faire ça. Je vais modifier parce que j'aimerais bien mettre un truc sur la fête des mères. À savoir, pas une photo de moi et les enfants. Ou de certains, peut-être. Peut-être que je ferai une photo avec Lana. Ou du moins son bidon. Vous savez bien qu'il y a des choses que je ne dis pas, que je ne montre pas sur les réseaux. Tout simplement parce que certaines choses ne concernent pas les réseaux et que, eh bien, le. Je vous ai répondu en plus au FAQ, création de contenu. Quand il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'étais toujours. Si j'avais rencontré quelqu'un ou si j'étais toujours. Je sais plus, un cœur à prendre ou une connerie comme ça. Et j'ai répondu, j'ai dit que je ne répondrais plus à cette question par la suite. Puisque ça ne concerne pas YouTube et j'ai tenu à rappeler que il y a beaucoup de choses que je ne montrais pas parce que ça ne concerne pas YouTube en 6 ans bientôt, c'est bientôt 6 ans ou bientôt 7 ans, bientôt 6 ans je crois, je sais même plus, je fais même pas attention, en bientôt 6 ans sur YouTube
vous avez jamais vu mon ex-mari. Ou alors c'était lors de live, parce que... photo, faites des mères. Parce qu'il est passé à ce moment-là. Mais voilà, et même si je trouvais quelqu'un demain, je ne l'afficherai pas sur les réseaux. Pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, ça ne concerne pas YouTube. Deuxièmement, je ne vais pas afficher quelque chose qui ne pourrait ne pas marcher. Troisièmement, la personne pourrait ne pas aimer cet aspect de ma vie. Tout le monde n'aime pas les réseaux sociaux, tout le monde n'aime pas s'afficher. Et que ce soit Valentin, Kélia, je ne vous les ai jamais affichés. Vous ne connaissez même pas le prénom de mémoire, à part si j'ai fait une boulette, vous ne connaissez même pas le prénom du copain de Lana. Donc voilà, il y a des choses que je vous dis, il y a des choses que je ne vous dis pas, et voilà, il y a des choses que je ne vous montre pas. Je ne vous ai pas montré Kaïssa d'ailleurs, je vous ai posé une photo, mais ils avaient le dos tourné. Donc voilà, il y a des choses que je dis, il y a des choses que je ne dis pas, et voilà. Mon divorce, vous l'avez su, j'avais déjà signé les papiers une première fois. Oui, j'ai signé 3 fois au total. Mais voilà, donc pour vous dire que... et encore, je vous l'ai dit parce que vous auriez vu la différence, sinon vous ne l'auriez pas su. Donc voilà, il est 5h50, ça fait 15 minutes que je papote. Je pense que mon vlog, il va être bon. Pour 2 jours, ça va être bon. Je vais clôturer ce soir. Bref, du coup, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve tout à l'heure quand je rentre du sport. Hey, re-coucou tout le monde. Re-coucou tout le monde, je vais y arriver. Je vous reprends, il est un peu plus de 15h30. Hop. Bon, tu veux pas. 15h43, exactement. Je sais pas ce que je vous ai mis. Normalement, je crois que je vous ai remis devant. 15h43, mon album est entre guillemets terminé. Il me reste plus que les livrets, les tags, les finitions à faire. Je ferai ça dimanche. Là, je vais me poser un petit peu dans mon canapé. Je viens juste de rentrer du rendez-vous de Lana. Et donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai installé une petite caisse à l'Olaf. J'ai mis sur mon bureau du coup pour qu'elle soit en hauteur. Depuis ce matin, elle gratte partout. Ça se trouve, je me fais de fausses idées, un truc de dingue. Mais depuis ce matin, elle gratte, elle n'a pas arrêté de gratter dans la cage de Snow. Après, elle est montée sous mon bureau. J'ai tout un tas de papiers action qu'il faut que je mette sur Vinted. Elle a essayé de se faire une petite place là et tout, du coup. J'y ai mis, alors c'est ça, c'est le carton que je me sers, où je mets un sac poubelle dedans, je me sers de poubelle. Du coup, donc bah, j'ai mis ça et je lui ai mis mon vieux t-shirt que j'avais sur le dos hier et cette nuit. Du coup, oups là, vous glissez. Que j'ai mis pour qu'il y ait mon odeur dessus sur les conseils de Corinne. Et du coup, donc tout le temps où j'ai scrappé, elle était quasiment dedans. Du moment où j'ai fait ça. Là, comme j'étais partie, bah, elle était partie dans la chambre de jour. Donc là, apparemment, bah, elle est couchée. Dans la salle, là, je sais pas si... Voilà. Elle est ici. Avec mon sac de sport. Voilà. Et, comment dire... Et du coup, on verra bien si bah, les bébés vont arriver ou pas. Il faisait très très beau. Il y avait beaucoup de soleil. J'avais dit que j'irais marcher si elle mettait Baba. Mais, je vous avouerai que le soleil est bien caché, là. Donc, je vais bien voir. Je vais irai vers, plus tard, vers 6h. 5h30, 6h. Là, je vous dis, je vais me poser un petit peu dans le canapé devant la télé et me reposer un petit peu parce que demain, en plus, c'est grosse journée. Jojo vient de partir pour aller chez son papa. Donc, ça y est, il est parti pour la semaine. Et puis, voilà, rien d'autre à vous dire. Je suis contente, l'album me va rendre bien. Ouais, j'ai hâte d'avoir mis les finitions et de vous faire tout ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse, je fais des bisous et puis je reprends un peu plus tard. Coucou tout le monde, bon, à la vôtre. Il est 5h du matin. On est samedi et j'ai complètement oublié de vous clôturer le vlog. Hier soir, Fifi n'est toujours pas accouchée. Hein. Bon, j'ai eu un très très bon message quand je me suis réveillée. Je vous en parlerai plus. Peut-être un peu plus tard. Je suis super contente. Bref, du coup, voilà, c'était juste pour vous clôturer ce petit vlog. Et puis, je vous en parlerai. Je vous promets, promis, je vous en parlerai. Oui, donc du coup, Lola, toujours pas de bébé. Bon, j'espère que je vais pas faire ça pendant que je travaille, puisque je travaille toute la journée aujourd'hui. Moi, je vous retrouve un petit peu plus tard pour l'ouverture du prochain vlog. Et puis, je vous fais des gros bisous.